Attention, le voilà. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, il se passe rien. Rien du tout. Ce sont mes hommes qui ont descendu un type trop curieux. Ah bon? Freeman, si tu ne sors pas tout de suite, je te fais sauter. Très bien, tu l'auras voulu. On en finira plus vite comme ça. $100 000, c'est formidable. C'est justement ce que la bande de Jim Norton nous a volé l'année dernière. Mais cet argent dans le coffre. Oui. Eh bien, la Compagnie nationale des mines vous est extrêmement reconnaissante, Jim Corrigan. Un moment, je vous prie. Kit Freeman a été longtemps le bras droit de Jim Norton, mais je crois que ça ne prouve rien. Après le coup, toute la bande s'est dispersée. Nous savons que dans cette bande, ils étaient 6. Logan, Hastar, Freeman ont été pris tous les 3 il y a quelques mois. Et ils ont été exécutés par notre chasseur de primes. Pardon, c'est-à-dire par vous, Monsieur Regan. Il reste Buck Dago et Sam Lister. Le chef, c'est-à-dire Jim Norton, a été tué à Topeka. On dit que Norton avait un frère jumeau. Un très brave homme, d'après ce qu'on dit. Probablement qu'il doit savoir quelque chose. Cet homme habite quelque part dans le Montana. Bon, alors dans ce cas-là, il faut que je le retrouve pour que vous ayez la certitude que ces $100 000 sont bien ceux de la compagnie. Attention à vous, Regan. La loi dans le Montana ne reconnaît pas les chasseurs de primes, qu'elle traite exactement comme de vulgaires assassins de droit commun. C'est normal dans un pays où il y a toujours la guerre. Comment la guerre? Eh oui. Appelez ça comme vous voudrez, mais en tout cas, les fermiers et les éleveurs n'arrêtent pas de se tuer, de piller, de détruire tout. Ils se moquent de la loi, ils ne connaissent que la leur. Deadly morning,
of the devil will burn like the sun in the sky, and men they will run or they'll die. Who will be the coward? Who will be the brave? And who will remember the man who lay cold on the sand? The man who lay cold on the sand. Merci, vous voilà enfin, shérif Coleman. On vous a tellement attendu qu'on ne vous espérait plus. Ces salauds d'éleveurs sont tous devenus fous. Ils se sont mis dans la tête de lyncher ce pauvre Bill. Si on veut arriver avant qu'il ne soit trop tard, faut faire vite. Sans ça, on va le retrouver pendu. Allez, dépêchons-nous. Mais il est temps de leur donner une bonne leçon à ces bandits. À mon fusil. Dépêchez-vous, qu'on en finisse avec ces charognes. Allez, marchez, salaud. Allez, attrapez la corde. Là, allez, voilà. Arrêtez. Vous avez entendu ce qu'a dit le nouveau shérif? Imbécile, vous avez perdu la tête. Alors vous avez tué le shérif Coleman? Ben tiens, évidemment qu'on l'a descendu. Celui-là alors, qui c'est? On s'en fout pas mal que vous soyez le nouveau shérif.
Surtout, ne vous mêlez de rien si vous tenez à votre peau. Ce bandit a empoisonné le puits où on envoyait boire nos bêtes. C'est vrai? Ils ont détruit toute ma dernière récolte, shérif. Ils ont incendié la maison et la grange. Ma femme était seule et ils en ont profité. Et elle a eu tellement honte, la pauvre petite, qu'elle s'est suicidée. Son petit mari va aller lui tenir compagnie. Détachez-le immédiatement. La prochaine fois, je ne me contenterai pas d'une égratignure. L'avertissement vaut pour tout le monde. Compris? Oh! Ah, salaud! Smithy, emmène-le. Vous avez tous entendu ce que le shérif a dit. À partir d'aujourd'hui, il fera respecter la loi à Mile City. Et celui qui l'oubliera, qu'il soit éleveur ou colon, devra en rendre compte à moi ou au shérif. Allez, viens à toi, viens avec moi. Allez, allez, avance, avance, allez. Viens, Fischer. Tu as raté une belle scène, c'est moi qui te le dis. Viens, mais approche-toi, il n'y a plus de danger, tu peux venir là. C'est pas que j'ai peur, monsieur le juge. Le nouveau shérif est enfin arrivé. Il a donné une bonne leçon aux hommes d'Amos. Et tu sais, ce type-là est vraiment très bien. C'est exactement l'homme sur mesure pour remplacer le malheureux Gibson. Excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis, j'ai pas eu le temps de faire le ménage avec toutes ces émotions. À propos, vous en avez mis du temps pour arriver ici. Je suis sûr qu'il y a au moins 6 mois que monsieur le juge vous a écrit. Ah oui, exactement depuis que votre prédécesseur, le shérif Gibson, a été tué par ces bandits. Mais vous, vous vous ferez très bien au pays. Vous verrez qu'il ne nous manquera rien. Il y a un bon lit de l'autre côté. Et puis, pour la cuisine, eh ben, c'est moi qui fais à manger. Hé, Smithy! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas me donner un peu de café? Oh, du café, du café. Mais vous vous croyez au risque, ma parole. Non, il n'y a pas de café. Non, celui-là ne marche pas, shérif. Connais-tu un certain Norton? Trevor Norton? Bien sûr, c'est un colon qui s'est établi dans le pays il n'y a pas si longtemps, mais il est mieux que tous les autres, et je m'y connais en homme. Attention, hein. Voulez-vous une tasse de café, shérif? Trevor Norton. Oui. Norton pense que tous les colons et les éleveurs pourraient très bien s'entendre, et il y a longtemps qu'ils seraient arrivés à un accord s'il n'y avait pas Amos. Qui est-ce? C'est le patron des éleveurs. Il a toute une bande de hors-la-loi sous ses ordres. Et à Mile City, c'est lui le maître. Les gens ont peur de lui. Et il n'y a personne qui ait le courage de s'opposer à lui? Oh, si. Au cimetière, il y en a des douzaines. Bonjour, shérif Coleman. Je suis le juge Horace Holden, monsieur Fischer. Il est commerçant, il achète tout ce qui peut s'acheter, et c'est sûrement pour ça qu'il est le maire du pays. Oh, monsieur le juge, ne dites pas ça, j'ai jamais acheté les voix, seulement je suis arrangeant et je pense qu'on m'en sait gré. Je suis très heureux de vous connaître. Ah, je vous remercie, shérif, d'avoir bien voulu venir ici. Écoutez, monsieur le juge, Vous serez bien payé. Le double ne serait pas encore assez. Les gros ont de l'argent ici. Vous voulez une tasse de café, monsieur le juge? Tu plaisantes, Smithy. Ton café, tout le monde le connaît, va, garde-le. Je dois vous avertir que votre prédécesseur, le regretté Gibson, n'est pas mort de mort naturelle, je sais. Justement, à ce propos, je voulais vous dire que... vous n'êtes pas rassuré. Oh, en ai-je l'air. Comment pensez-vous vous y prendre pour commencer, shérif? Pour le moment, je crois que je vais prendre une bière. Pas envie de vous forcer la main, Farley, mais il m'est impossible de vous offrir plus de 3 000 $. C'est tout ce que j'ai sur moi. Très bien, très bien. Norton, je veux absolument quitter cet enfer. Les hommes d'Amos m'ont menacé. Tenez. Vous désirez un whisky? Non, une bière. Vous êtes le nouveau shérif? Il paraît. Je m'excuse. Quand ils ont tué Gibson, ils m'ont donné ce nouveau miroir et je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Ne t'inquiète pas, je prendrai des précautions. J'essaierai de ne pas me faire tuer juste en face de ton miroir. Bon, au revoir Norton et bonne chance. Au revoir Farley.
Puis-je vous offrir quelque chose, shérif? Je m'appelle Trevor Norton. Bienvenue à Miles City. Enchanté de vous connaître, monsieur Norton. On m'a justement parlé de vous. Je viens d'acheter la ferme de cet homme et j'ai l'impression qu'éleveur et colon devraient s'entendre, s'ils en ont envie. Croyez-vous qu'ils y arriveront? Sans doute, en mettant des barbelés entre eux. Je ne crois pas que les barbelés soient nécessaires. Je ne suis pas de votre avis. Et je crois que jamais ils n'arriveront à s'entendre, au contraire, monsieur Norton. Je suis Amos Brandsberg. Il me semble que vous étiez en train de dire quelque chose. Aucune loi ne peut soutenir ici le parti des colons. Le Montana est surtout un territoire d'élevage. Il est absolument impossible de laisser s'installer n'importe où des gens qui labourent les terres et qui les barricadent. Que deviendrait notre bétail? Je trouve que vous exagérez. C'est grand, le Montana. Avec de la bonne volonté, tout peut s'arranger. Oui, c'est vous qui le dites, bien sûr. Et je pourrais aussi raisonner comme vous. Mais allez faire entendre ça aux autres. Ils sont nombreux, shérif. Je les connais et croyez-moi, ce sont des gens prêts à tout. Shérif! Venez, shérif! Ils viennent d'attaquer la prison. Veuillez m'excuser, messieurs. Je pense qu'avec du sang-froid, on arrive toujours à calmer les têtes chaudes. Allez, quoi? Je ne fais pas l'imbécile, je lui dis. T'as qu'à laisser sortir Bill, on est venu pour s'occuper de lui. Foutez le camp tout de suite si vous tenez à repartir sur vos jambes. Attention, je tire sur le premier qui cherchera à entrer. Allez, ouvre! Assez! Ça suffit! Allez, on a un série comme ça pour aujourd'hui. Maintenant, je vous demande de filer. Rendez-nous Bill, shérif. Et pas l'histoire. Les seuls coupables, ce sont les éleveurs. Ce sera au juge d'en décider. Et avant ça, Bill restera ici en sécurité. Alors, il vous faut arrêter aussi Amos et sa bande. Son bétail vient sur nos terres et détruit toutes nos récoltes. Aucune raison de garder le seul homme qui demande justice. Jamais je ne me laisserai influencer. Car pour moi, tous les hommes ont les mêmes droits ici. Qu'ils soient éleveurs ou colons. Faites comme vous voulez, shérif. Seulement, je vous avertis. Si vous refusez de nous soutenir, nous saurons nous débrouiller tout seuls. Au revoir. Ouais, allez, on s'en va. Alors, on est venu pour rien. Attention! Hey, Smithy, c'est moi. Oh, excusez-moi, chérie. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient dans le temps. Tu sais que tu as failli trouver mon joli chapeau. Ça n'arrivera plus. Il y a beaucoup trop d'histoires dans ce pays. Moi, je tiens à vivre tranquille. Je pense que le mieux, au fond, c'est encore de le laisser s'évader. Alors qu'il trouve un cheval près de la porte et quelques provisions pour la route. Hein? Compris. Sam Lister et Bud Dago, deux idiots. Je t'avais dit que je voulais deux bons tireurs et tu n'as rien trouvé de mieux que de m'envoyer ces deux imbéciles. Tu as tort de dire ça, Amos. Je te répète qu'on a fait son affaire au shérif Coleman. Oui, à peine on a tiré qu'il est tombé et on l'a laissé raide comme un morceau de bois. Vous en êtes certain? Coleman nous a arrêtés il y a 2 ans à Tombstone. On n'est pas des types à oublier la tête d'un gars qui nous a mis à l'ombre. Alors si Coleman a été tué, je me demande bien qui est l'autre. Ça n'a aucune espèce d'importance. On a commencé par Coleman, alors pour quelques dollars, on peut continuer avec celui-là. Non. Non, ne faites rien sans mes ordres. Je veux d'abord savoir qui il est. Il est possible qu'il me soit plus utile vivant. Il m'a tant filé. Et faites attention, je ne veux pas qu'on vous voie sortir de chez moi. Tourne-moi. Tourne le fauteuil, vite. Quelque chose qui ne va pas, shérif? Tout ira bien si tu ramasses le sac de mademoiselle. Il peut pas, la terre est trop basse. Oh, ben, si.
s'il y a que ça, je vais vous aider. J'attends. Ben voilà, vous voyez quand vous voulez que vous pouvez être poli. Je vous remercie. Quelques jours à l'ombre, je crois que ça vous calmera les nerfs. Allez, passez devant. Oh, bah alors, si ça continue, on va avoir encore plus de monde qu'au saloon. Allez, allez, donnez-moi vos armes. Allez, plus vite que ça, hein? Allez, maintenant avancez à l'intérieur. Alors, en avant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faites pas cette tête-là, voyons. Mais, c'est heure de chanter victoire, Smithy. T'as pas entendu parler d'Emos Brunsberg? Oh, si, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Allez, allez, avance, hein, tes copains t'attendent. Il vaudrait mieux libérer immédiatement ces hommes, shérif. Je crois que M. Brunsberg n'appréciera pas du tout votre attitude. Sachez que l'opinion de M. Brunsberg m'est absolument indifférente. Ben, tous ces hommes sont restés près de 4 mois à cheval pour garder le bétail. C'est normal qu'ils aient eu envie de se changer les idées. Il y a certaines façons de s'amuser qui sont inadmissibles. Cette fille est une étrangère et de toute façon, il n'y a vraiment pas de raison pour que vous protégiez tous ces colons qui nous font tant de mal. Non, ici, ceux qui font du mal, c'est uniquement ceux qui raisonnent comme toi. Je vous en prie. Et je ferme la porte à cause des courants d'air. Vous me paierez ça, shérif. Vous me paierez ça très cher. Au revoir, mademoiselle Sally. Mes amitiés à votre oncle. Au revoir, monsieur Fischer, et merci. Oh, faites attention aux marches, mademoiselle. Voilà. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour, madame. Entrez, je vous prie. Bonjour, shérif. Justement, j'allais venir vous remercier. Je suis Sally Norton. Oui, j'ai déjà rencontré votre père, Trevor Norton. C'est mon oncle, mais pour moi, c'est presque un père. Et vous habitez avec lui depuis longtemps? Non. Toute petite, on m'a envoyée dans un collège de l'Est. Et quand j'ai perdu mes parents, oncle Trevor m'a prise avec lui. Maintenant, excusez-moi, shérif. Il faut que je parte. Tout ce qui n'est pas absolument utile. Demain à l'aube, nous commencerons à poser une clôture autour de la propriété. Alors, vous avez acheté la maison de Farley? Oui, c'est exact. Je l'ai acheté. Est-ce que vous allez prendre part à la guerre contre les éleveurs? Je regrette, mais s'il y a une guerre, il vaut mieux ne pas compter sur moi. Félicitations, à ce que je vois, Farley vous a tout laissé. Ses terres, sa maison et sa lâcheté. Disons que je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire. Ne vous y trompez pas, moi aussi je suis un colon. La seule différence, c'est que je répugne à la violence, c'est tout. C'est lui qui n'est pas avec nous. Contre nous. Thank you.
Arrêtez! Sortez tout de suite de mes terres! Quand les selfers vous attaqueront, ne comptez pas sur nous, on ne pourra que vous creuser une tombe! Je ne céderai aux menaces de personne. Ce que je veux avant tout, c'est vivre en paix. En avant! Il y a des moments où on a vraiment du plaisir à voir cette étoile, shérif. C'est vrai? Aujourd'hui, il a pris ma défense en pleine ville contre les éleveurs. Ah oui? Mais on jurerait que vous êtes destiné à défendre toute ma famille. Mais regarde dans quel état il t'a mis, ce sauvage. Bien, le sauvage m'a semblé encore plus mal en point. À moins d'y être forcé, jamais je ne me battrai contre vous. Non, non, vous me surestimez. J'ai eu de la chance de m'en être tiré, c'est tout. Nous sommes des paysans, nous avons le poing solide. Ce ne sont pas des mains d'agriculteurs, ça. Pourquoi? Je vous vois mieux avec un pistolet qu'avec une fourche. Pourquoi ne restez-vous pas dîner avec nous? Oh, quelque chose de simple, car nous ne sommes pas encore bien installés. Merci, mais moi aussi, j'ai des invités qui m'attendent. Par contre, un autre jour, volontiers. J'espère que vous reviendrez nous voir bientôt, shérif. Mais bien entendu. Oui, naturellement qu'il reviendra. Tout de suite, il a flairé sa proie. Il n'y a pas de danger qu'il abandonne sa trace. Me faire ça à moi Brandsberg, à moi qui suis venu ici un des premiers. Non, jamais je ne tolérerai ça. Mais nous nous défendrons, monsieur le juge, vous comprenez? Vous êtes vraiment très nerveux, mon cher ami. Mais il y a de quoi? Mais ce type qui porte l'étoile de shérif apprendra à nous connaître. Ne vous approchez pas des prisonniers. Vous êtes si gros que même si je voulais, je pourrais pas vous rater. Mais ce roquet qui vous a employé... Monsieur le juge, quelle peine la loi prévoit-elle pour outrage à un représentant de la force publique? Un mois d'incarcération, shérif, avec droit à la liberté provisoire, qui peut être accordée, mais contre paiement d'une caution. Je vois que chaque chose a son prix, n'est-ce pas, shérif? La liberté d'un homme, ça se paie comme un kilo de pommes de terre. Ça constitue un outrage au shérif, n'est-ce pas? 40 jours de prison ou 200 dollars de caution. À vous de choisir, monsieur Brandsberg. Vous voyez que la loi est très libérale. Vous payez la caution et vous vous en allez. Tenez, voilà 2000 dollars. Le reste, ce sera votre pourboire. Tenez, le reste, ce sera pour les pauvres. Smithy, ouvre la porte. Ils sont libres. Libres? Je vous jure que moi, je les aurais laissés pourrir là-dedans. Ces canailles. Avancez, dehors. Allez, allez vous faire pendre ailleurs. Et qu'on ne vous voit plus ici. Parce que sans ça, moi, je vous tire dedans. Je vous avertis, Brandsberg, si vos hommes s'attaquent encore aux colons ou à qui que ce soit, ce sera vous qui paierez. Si c'est une menace, shérif, je ne la crains pas. Quand j'agis, c'est au grand jour. À propos, monsieur le juge, quel est le maximum de la peine pour usurpation d'identité et de fonction? Alors, sur notre territoire, celui qui ose une chose pareille est pendu haut et court. Allez, allez, vous-en! Allez, plus vite que ça! Allez, t'as entendu? Et ne revenez plus vous frotter ici!
Toi aussi, Phil. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Je pense que tout de même, on en a pris un peu trop à notre aise. Le gouvernement fédéral pourrait bien se fâcher et nous envoyer de la troupe. Et ça t'impressionne, personne? Si jamais on a le malheur de se laisser faire par ces salauds de colons, on n'a plus qu'à partir. Il n'y a plus qu'à leur céder la place. T'emballe pas, Barclay. Je ne suis pas un lâche. Mais je ne suis pas non plus un assassin. Contre mon gré, déjà, vous avez tué le shérif Gibson. Qu'est-ce qui pourra jamais prouver que c'est nous? Moi, je dis une chose. Amos Bromberg a raison. Tant que ce sera lui qui fera la loi, nous, on n'aura rien à craindre, on sera tranquille. Bravo, Barclay. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour le foutre dehors, ce type-là? Non, ce nouveau shérif est un dur, mais ça ne fait rien. Je lui réglerai son compte. Faut de la patience dans la vie. Déjà, on peut se débarrasser de ces maudits colons, il ne dira plus rien. Je ne te comprends pas, Amos. C'est simple, pourtant. J'ai des hommes à ma solde. Ils sont prêts à tout. Dès que je leur en donnerai l'ordre, ils mettront en l'air les propriétés des colons. Nous, on a les mains propres, on ne peut rien nous reprocher. Les mains propres. Mais la conscience, tu l'oublies, Brandberg. Ta conscience t'empêchait pas de dormir quand tu t'en mettais plein les poches avec nous. Maintenant, tu ne peux plus reculer, c'est trop tard. Carven a déjà donné le signal. Allez-y. Commencez par Norton. Et s'il résiste, tuez-le. Apporte un autre rouleau. Vous là, encerclez-le, allez. Toi, va voir là-haut. Vous êtes des assassins, des misérables. Elle a fait quelque chose. Bayonne-la, moi j'ai le cœur tendre, je peux pas l'entendre quand elle va brûler avec toute sa baraque. Dépêchez-vous, je crois que c'est le shérif. À Brandsberg, nous devrons un pourboire. On va faire un petit travail supplémentaire. Et ça, ce sera un vrai plaisir. Felgué. Viens avec moi.
Et dès que tu vois la porte s'ouvrir, n'attends pas, vas-y, tire. Merci. Mon oncle, qu'est-ce qu'ils ont fait de mon oncle ? Il s'énerve. Arrêtez. Vas-y. Il n'existe qu'un homme qui puisse tirer comme ça. C'est Jim Norton. Regarde. Oui, il n'y en avait qu'un, mais il est mort. Tu perds la main, Buck. Tu trouves ça drôle? Ce salaud nous a tendu un piège et on est tombé dedans. Il vaut mieux pas rester ensemble. Mais alors, je t'en prie, passe devant. Allons, vous feriez mieux de vous rendre. Mais c'est la voix de Norton. Non, 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 ça ne peut pas être lui. Pour la dernière fois, rendez-vous, ou je vous descends. Je te dis que c'est lui, Sam. Il n'y a qu'un moyen pour savoir si c'est lui. Rendons-nous et on le verra. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Mais si on se rend, Jim nous tuera comme des chiens. Oui, mais si c'est Trevor, on a quand même une chance de s'en tirer. Et puis on n'a plus le choix. Il n'aime peut-être pas se battre, mais quand il le faut, il le fait bien. Ce type-là doit être avec nous. Donnons-lui un coup de main. C'est une bonne idée. Je te conseille de baisser ce revolver. Allez, venez, et plus vite que ça. Vous avez compris? Avancez. Plus vite. Sam et Buck. Laissez-moi faire, shérif. Si je vous laissais faire, Norton, je serais dans l'obligation de vous livrer à la justice. Ce sont des assassins, ces gens-là. Et vous avez fait ce joli travail tout seul. Bah, mettons que la chance était avec moi, et comme je suis bon tireur, je l'ai aidé. Une belle arme. Une très belle arme, ça c'est un fusil de tireur d'élite. Il y a un an, il a été champion à Kansas City. À Trevor Norton, champion de tir. J'espère que nous nous retrouverons. Qu'est-ce que vous venez faire dans le Nord? Vous nous connaissez? Plus que vous ne le croyez.
Avez-vous besoin d'aide, shérif? Je vous remercie, Graham. Je peux me débrouiller tout seul. Allez, marchez. Venez. C'est impossible que tu n'aies pas vu qu'il n'était pas armé, mon oncle. Quelquefois, dans le feu de l'action, on peut très bien se tromper, Sally. On vous avait mal jugé, Norton. Vous venez uniquement pour me dire ça? Non, je suis venu vous demander de prendre le commandement. Et vous m'obéirez en tout? En tout. Alors nous ferons tout pour que la paix soit maintenue. Mais si ce n'est pas possible, eh bien nous nous battrons. Nous sommes d'accord, Norton. D'accord, ouais, d'accord. Décidément, c'est la guerre. Réunissons nos hommes demain dans le défilé des Cheyennes. Ils l'auront voulu. On fera voir à ces imbéciles à qui appartient la terre du Montana. J'espère que vous n'ignorez pas ce qui vous attend maintenant. Bien sûr que non, shérif. On va être libéré. Qu'est-ce que t'en dis, Sam? Mais oui, naturellement. Le shérif ne peut rien nous reprocher à nous. Non. Non, à part l'assassinat des gars de chez Norton. Ah, jamais. C'était vraiment le hasard qu'on passe par là. Et on s'est trouvé dans la fusillade sans vouloir. Oui, alors on est allé se cacher derrière les rochers parce qu'au fond, tout ça, ça ne nous regardait pas, nous. Les colons ont été descendus par des balles de 45. Et nos colts à nous, c'est du 38. Ça n'a aucun rapport, monsieur Coleman. Eh bien, le docteur examinera les cadavres. Je les ai fait porter chez lui. Il n'y a pas de doute, shérif. Le docteur ne peut que confirmer notre innocence. Oui, mais vous n'avez pas de chance. Je peux quand même vous accuser du vol de la compagnie minière. On est absolument étranger à cette histoire. Et pour une seule histoire, c'en est une. C'est Jim Norton qui vous en a accusé. Jim Norton? Mais comment ça, il nous a accusés, puisqu'il paraît qu'il est mort? T'inquiète pas, Buck. Je suis sûr que le shérif va nous raconter une histoire sensationnelle. Par exemple, qu'il a retrouvé les 100 000 dollars. Vous exagérez. Mais j'ai entendu dire que Jim Norton était vivant. Laisse donc, Sally. Tu auras bien le temps demain. Oui, tu as raison. Je vais me coucher. Je suis un peu fatiguée. À demain, alors. Ne te couche pas trop tard. Bonsoir, chérie. Oncle Trevor! Oh. Tu sais, Sally, il faut qu'on soit prêt à tout. Mon oncle, dis-moi la vérité. Tu as décidé d'attaquer les éleveurs. Ne crains rien, Sally. Tu partiras avec moi en ville et tu iras porter toi-même une proposition de trêve au shérif. Oh, tu es gentil, mon oncle. Je t'adore. Uniquement parce que j'aime la paix? Et aussi parce que tu m'emmènes avec toi. Ça me fait plaisir d'aller en ville. Ah, je le sais. Mais est-ce que tu es certaine qu'il t'aime, lui aussi? Il faut que tu en sois certaine, Sally. J'ai toujours tout fait pour que tu sois heureuse. Et je ne voudrais surtout pas que tu aies du chagrin.
Allez vite. Dépêchez-vous. Et surtout, prenez des munitions de tous les calibres. Oh. Norton. On a besoin de toi tout de suite. Viens nous retrouver au saloon. Très bien. Viens, toi. Es-tu toujours d'accord pour servir d'ambassadrice auprès du shérif? Bien sûr. Si tu crois que ça peut maintenir la paix. Bonne chance, ma chérie. À tout à l'heure. Hey! Pardon, mademoiselle. Rapporte-moi des balles de calibre 38. Donnez-moi un whisky, garçon. Tout de suite. Il me semble qu'il y a un peu trop d'éleveurs ici. Ce rassemblement n'a pas l'air naturel. Ils dépensent tout au magasin. Ils en sortent les poches vides et la cartouchière garnie. Qu'est-ce qu'on sait pour ça, mes bucks? Le médecin retire des cadavres des balles de revolver de 45. Si ça correspond à leurs armes, ils sont foutus. Sinon, on les laissera en liberté. Allez acheter toutes les munitions qui restent au magasin. Moins ils en auront, mieux ça vaudra pour nous. Vous me retrouverez ici. Je vous attends, monsieur Norton. Non. Tu diras à ma nièce que je suis allé chercher de la main-d'œuvre et tu la raccompagneras à la ferme. Moi, je rentrerai plus tard. Va. Bon. Rassemblez tous les hommes disponibles, Graham. Vous imaginez qu'en leur laissant la liberté, ils vont vous mettre sur la piste de Norton. Ils croient que c'est lui qui a gardé tout l'argent. Vous pensez qu'ils vont le rechercher? Si vous vous trompez, shérif, vous allez faire tuer un innocent. Oui. J'y ai pensé aussi. Et c'est pour ça que j'hésite. De toute façon, on ne pourra pas les garder longtemps ici. Nous n'avons pas la preuve que ce sont eux qui ont tué les colons. Bien sûr. Shérif, monsieur le juge, depuis la semaine dernière, j'ai vendu beaucoup de munitions, mais aujourd'hui, c'est un comble. Ils m'ont tout raflé, moi, j'en ai plus au magasin. Qui, les éleveurs? Oui, ils m'ont acheté beaucoup jusqu'à présent. Mais j'ai eu la visite de Graham, et lui, il m'a acheté tout ce que j'avais en réserve. Plus de 3000 cartouches, hein? Quand même curieux que les colons s'agitent comme ça tout d'un coup. Bah, ils ont Norton à leur tête maintenant, ils sont absolument sûrs d'avoir gain de cause. Oui. Hey, j'ai compris. Norton pourrait bien avoir intérêt à précipiter les événements. Si vous vous occupez d'un éventuel conflit entre les colons et les éleveurs, vous n'aurez plus le temps de vous occuper de Norton. Dans ce cas, monsieur le juge, je vais tout de suite libérer ces hommes. Bien, Smithy. Comme vous voudrez. Mais j'espère que nous n'aurons pas à nous en repentir, shérif. On peut entrer? Oh, mais je vous en prie, mademoiselle Norton. Qui êtes-vous? Excusez-nous de vous recevoir ici, mademoiselle Norton. On est des vieux copains de votre père, Jim Norton. Mais voyons, mon père est mort il y a 3 ans. Allons, ma jolie, tu nous prends pour qui? On est justement en affaire avec lui. S'il était mort, ça se saurait. On le connaît bien. Ah oui, on le connaît bien. Tu penses bien qu'il nous a souvent parlé de toi depuis qu'on le connaît. On savait que tu étais dans un collège de l'Est. Non, vous mentez. Mon père n'avait rien de commun avec des hommes de votre genre. Voyez-vous ça? Ton père n'est pas un ange. Et tu vas pas me dire que tu ne sais pas, il est pire que nous. Oh, pleure pas. Pleure pas. Avec les jumeaux, on sait jamais auquel on a affaire. Vous vouliez me voir, Sally? Oui, mon oncle m'envoie pour vous dire une chose très importante. Un petit instant. Smithy, ouvre-leur la porte. Ils peuvent s'en aller, ils sont libres. Qu'est-ce que je vous disais, shérif? Nous, on est innocents comme deux petits anges du ciel. Qu'est-ce qu'il y a, Sally? Rien.
Dites-moi ce qu'il y a. Rien. Mais non, elle n'a rien. Elle vient vous voir pour se faire cajoler, vous voyez pas? Allez, foutez le camp. Foutez le camp. Allez, plus vite que ça filet. Allez, bougeons. Mais excusez-moi, mais il faut que j'aille faire la vaisselle. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, Sally? Une chose merveilleuse. Oncle Trevor vous prie de proposer un accord aux éleveurs, d'établir d'abord une trêve et de discuter devant le tribunal. Vous pourrez leur dire que les colons ne clôtureront plus leurs terres et retireront les barbelés, si le juge en décide ainsi. N'est-ce pas magnifique? Si votre oncle est sincère, oui. Bien sûr qu'il est sincère. Mon oncle n'a pas deux paroles. Alors pourquoi vous envoie-t-il au lieu de venir discuter lui-même? C'est moi qui le lui ai demandé. Vous ne me croyez pas? Adieu, Monsieur Coleman. J'ai pas envie de le voir. Ouais, t'as raison. Attendez un peu. Écoutez. Oui, monsieur Bronsberg. Si vous m'aidez, j'oublierai que vous avez encore une fois raté votre coup. Vous êtes beaucoup trop bon avec nous. Non, regrette, mais on part vers le sud. Oui, il y a une cousine de Buck qui est malade et on va la soigner. Tu t'en occuperas, Carven. Bon, d'accord. Toi, Sally? Non, c'est pas Sally, c'est nous. Déçu, hein, Jim? Non, vous me prenez pour mon frère, je m'appelle Trevor. C'est pas la peine d'être fatigué. Il n'y en a pas deux comme Jim Norton pour tirer comme tu l'as fait. On vient te demander ce que tu nous dois, c'est tout. Pas vrai, Sam? Oui, on veut notre part, mais plus. Plus les intérêts de notre argent depuis le temps que tu nous le dois. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça suffit comme ça, Jim. Maintenant, tu vas tout nous donner. Où est-ce que t'as caché les dollars? Oh, je te forcerai bien à parler, moi. Mais vous vous trompez, je suis Trevor Norton. Bouge pas, Jim. Alors, tu vas parler? Ah oui, tu vas parler. Rien, j'ai rien trouvé là-haut, rien du tout. Mais où t'as mis l'argent? Si vous voulez m'assassiner parce que je suis le frère de Jim, ce n'est pas la peine de faire toute cette comédie. Si c'était Jim, je crois qu'il ne serait pas laissé faire comme ça. Voilà quelqu'un, restons par là. Dépêche-toi, on a déjà assez d'ennuis comme ça avec le shérif, allez! Quel beau fusil! Il a bousillé le mien. Faut passer prendre des munitions au village. J'attends, mademoiselle? Non, merci. Thank you.
Oh, mon oncle. Ce sont les éleveurs qui ont fait ça. Mais non, Sally, ce sont deux bandits. Ils venaient me voler, ils m'ont attaqué. Sam et Buck. Comment le sais-tu? Oh, mon oncle, je t'en prie, dis-moi la vérité. Encore un peu, shérif. Elle ne vous plaît pas, ma cuisine. Moi non plus, franchement. Mais je ne m'en suis jamais plaint. Shérif, monsieur le juge veut vous parler. Je crois qu'il apporte des nouvelles très importantes. Ne bouge pas d'ici, Smithy. Et surtout, tâche de bien ouvrir l'œil. Un nom d'un chien, il n'y a même plus moyen d'avaler une bouchée tranquille. Tu voulais toute la vérité sur ton père, maintenant tu la connais. J'aurais voulu pouvoir te la cacher comme je l'ai fait jusqu'à présent. Et à cause de ces bandits, j'ai été obligé de te la dire. Lui aussi était un bandit. Quand il a su que tu devais rentrer du collège, il a voulu restituer les 100 000 $. Il voulait se racheter pour ne pas être indigne de toi. Et ça lui a coûté la vie. Il te l'a dit et tu l'as cru. Mais si c'était vrai, ces hommes ne seraient pas revenus pour lui reprendre l'argent. Mais non, ces bandits ignoraient la décision que ton père avait prise. Mon pauvre oncle, tu as payé pour mon père, parce qu'on te prend pour lui. Mais toi, tu es bon et tu es honnête. Malgré tout ce qui est arrivé, Sally, ne sois pas trop sévère avec lui. Mais tu as été blessé par sa faute. Et le shérif m'a traité comme une ennemie. Allons, allons, ne pleure pas, chérie. Tu verras que tout cela s'arrangera. Pourquoi venez-vous me retrouver? Je n'ai plus besoin de vous. À cause de ce fusil, Brunsberg. Maintenant, on a perdu, Amos. D'un jour à l'autre, on attend le juge fédéral. Calme-toi, Barclay. On a fait le jeu des colons et on s'y est pris comme des gosses. Et si jamais le procès a lieu, les barbelés nous arriveront jusqu'au cou. Comme dans le Kansas et dans le Nebraska. Oui, mais imagine que Norton nous débarrasse du juge qui va arriver. Oui. Et qu'est-ce que vous faites du shérif? On s'en débarrassera aussi. Carven m'a apporté la preuve de ce que je soupçonnais. Ouais. Il sera normal que, profondément indignés, nous fassions justice d'un imposteur. C'est pas une mauvaise idée. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à se débarrasser de Norton. L'assassin du juge fédéral. Il va falloir agir quand les colons attendront au pays l'arrivée du juge fédéral. Il faudra pendre Norton et brûler sa maison. Toi, Barclay, tu vas rassembler les hommes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous, faites attention. Si vous refaites des blagues cette fois-ci, au lieu de vous payer 1 000 $, je vous fous à chacun une balle dans la tête. Ce qu'il y a de plus pressé pour le moment, c'est de régler son compte au shérif. De tous nos hommes, quels sont les meilleurs tireurs, à votre avis? Barney et Carachaud. Pourquoi? Bien. Ils vont provoquer le shérif. S'ils en viennent à bout, on sera déjà beaucoup plus tranquille. Et si jamais le shérif gagne? Nous en serons débarrassés quand même. C'est un chasseur de primes, j'en suis certain. Il s'appelle Django. Si c'est lui, il laissera sa carte de visite. Pressé. Depuis que tu me les as échauffés, j'ai les oreilles un peu bouchées, je t'entends pas bien. T'es un drôle de shérif, t'es toujours un peu trop pressé de te servir ton revolver. Et peut-être que t'es pas un shérif, mais un chasseur de primes ou un bandit. Ouais, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Thank you.
Tu t'es trahi, Regan. Et tu vas payer. Attention à ce que vous faites, Brandberg. Ces deux-là ont déjà essayé de me tuer. Vous savez ce que ça peut coûter de tuer le shérif de Miles City. Tu n'es pas shérif, tu n'es qu'un misérable chasseur de primes. Et ici, dans le Montana, les chasseurs de primes ont les ponts, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez? De ne pas pouvoir rester pour voir ça. C'est pas de veine. J'ai bien de potence, bandit. Ces canailles ne se doutaient pas qu'il fallait compter avec moi. Ah, mais je suis là, shérif. Heureusement que je suis arrivé à temps. C'est un lâchage, Brandberg. Ces hommes ont voulu lâcher un shérif. Vous vous en rendez compte? Monsieur le juge, vous faites erreur. Il ne s'agit pas du shérif, Coleman. C'est un chasseur de primes. Et ils avaient raison de vouloir le pendre. Ce matin, j'ai reçu une lettre qui venait de Denver. Django Regan était un agent de la compagnie des mines et il a quitté son poste pour devenir le shérif de Miles City. Voilà la vérité à son sujet. Que voulez-vous dire? Que selon la loi qui est en vigueur, dans le Montana, le juge et le maire ont la faculté de nommer un nouveau shérif. Aucune importance, comment il s'appelle, du moment que c'est un bon shérif. C'est... Venez. Un moment, Brandsberg, ce n'est pas encore fini. Vous me devez des excuses, mais vous me les ferez plus tard. Je vous arrête pour rébellion contre l'ordre public. Allez-vous-en. Vous n'avez plus rien à faire ici. Celui qui l'a assassiné devait être très pressé, car dans ça, il a perdu son fusil, Trevor Norton. Mais c'est impossible. Qu'en pensez-vous, shérif? Vous l'embarrassez sûrement, monsieur le juge, car ce fusil appartient à l'oncle de la jeune fille dont il est amoureux. Oui, il est clair que les colons sont de mauvaise foi, et ceci est la preuve qu'ils avaient très peur de l'issue du procès. Je pense qu'il faut faire justice et la faire à notre manière, en pendant Norton! Non, je suis le représentant de la loi et jusqu'ici, personne ne l'a condamné. Regan, cette arme peut servir de preuve contre Norton. Il faut l'arrêter. Je vous le ramènerai, monsieur le juge, mais ne soyez pas tellement sûr que ce sera lui qui finira la corde au cou. Va chercher Sam et Buck. Il n'y a plus une minute à perdre. Sally! Sally! Il faut fuir. Ne prends que l'indispensable.
Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Mais voyons, pourquoi devrions-nous nous enfuir? Parce qu'on vient de me tendre un piège. Je serai pendu si je ne fuis pas. Regan les en empêchera. C'est lui le shérif et il devra m'arrêter, je t'en prie. Crois-moi, ils ont bien fait les choses pour me perdre. Allez, viens vite. Ne partez pas. En fuyant, vous vous accusez. Ma plaque sur le fusil est une accusation suffisante. Viens, Sally. Mais c'est peut-être un piège. Comment ce fusil était-il là-bas? Demandez à Sam et à Buck, ce sont eux qui me l'ont volé. Il faut éclaircir cette histoire. Suivez-moi, Norton. Je ne suis pas assez fou pour ça. Je vous arrête. Laissez-moi m'en aller. Excusez-moi, mais je suis pressé. Un pas de plus et je tire, attention. Vous devriez avoir confiance en moi. Non, mon oncle, non! Norton, soyez raisonnable. C'est vrai, je dois paraître un peu fou. Mais je faisais ça pour elle. Qu'est-ce qui leur prend? Oh, j'ai compris, voilà le shérif. Il y a quatre hommes qui viennent de s'enfuir de chez vous. Smithy, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, vous savez, shérif, j'ai pourtant essayé de les empêcher, mais... Je vais t'emmener tout de suite chez le docteur. Mon cheval est là dehors. C'est inutile. Pour aller où je vais, j'ai plutôt besoin de... Je regrette de vous quitter. Vous êtes le shérif le plus formidable. Très bien, j'essaierai d'arrêter les hommes d'Amos. Mais il faut absolument sauver les fermes. C'est un suicide, shérif. Il faut attendre que tous les colons soient venus. Il n'y a pas un instant à perdre. Rassemblez le plus de monde que vous pourrez et rejoignez-moi. Aïe. Bonne chance, Regan. Ils sont trop nombreux, Regan. Alors j'ai décidé d'aller avec vous. C'est pour ma fille que je fais ça. C'est curieux, Norton. Jusqu'ici, vous m'avez menti. Aujourd'hui, vous me dites la vérité. Pourquoi? Vous savez très bien pourquoi. Un bandit, un chasseur de primes. Amusant, non? Quelle belle équipe pour faire triompher la loi à Miles City. Hey! Maintenant, il faut en finir avec ce colon une fois pour toutes. Suivez-moi. En avant. We'll be right back.
mitraille. Maintenant, passons au suivant de ces messieurs. Regarde, maman. Rentrons à la maison, mon chéri. De Norton. Allons! Par où croyez-vous qu'ils vont vous attaquer? De ce côté-ci, c'est trop découvert. Ils attaqueront plutôt du côté des rochers, mais je leur ai préparé une surprise. Voilà qui arrive. Tout le monde à son poste. En avant! Brûlez tout! Vous deux, occupez-vous de sa fille. Maintenant, tu vas être sage. Allez, dépêche-toi. Tu vas tout de suite aller leur dire de se rendre. Allez, marche!
Allez, avance. Oh, oh la gare. On se fait pas. Au secours. Allez-y. Je m'occuperai d'eux. Merci. Emmène-la en haut. Moi, Jim! Tu vois, Sam, c'est bien lui. Vous me cherchez? Eh bien, venez me voir! Je suis là! Carven, Barclay, ils sont là-haut. Norton est mort, il ne reste plus que le shérif. Allons-nous-en, Sally. Apporter des herbes sèches, il faut les obliger à sortir. Toi, et toi aussi, va avec lui. Il ne me reste plus que 3 cartouches. Qu'est-ce que nous faisons alors? On va les laisser approcher. Ah, attention! As-tu de la dynamite? Oui. Très bien, donne-moi. Reagan! Tu m'entends, Reagan? Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne veux pas sauter avec la fille de Norton, tu n'auras qu'à sortir. Ne sortez pas, il nous tuera de toute façon. Quelle canaille. Tu l'auras voulu, Reagan. 1, 2, 3. Carven! Carven! Barclay! Ne me laissez pas seul! Je ne vois plus! Je suis aveugle!
Je ne le sais pas. Carven! Nous sommes arrivés trop tard. Il a fait le sacrifice de sa vie pour la paix du Montana. Le 24 mars 1877, le gouverneur de l'État du Montana décrète qu'à cette date et dans les limites de notre territoire, entre en vigueur une nouvelle loi qui permet la clôture des terres. Ainsi, toute personne entrée légalement en possession d'un terrain aura le droit de le protéger et de l'entourer de fils barbelés. D'autre part, lorsqu'il sera justifié que les éleveurs ont besoin d'un passage pour leur bétail, les colons devront leur aménager un chemin pour la traversée de leur propriété. Ce droit est acquis désormais à tous les propriétaires de l'État du Montana et le shérif aura à le faire appliquer.